J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Ginges Gamer, voilà, je vais le recevoir aujourd'hui. Et je vais vous parler de ses caractéristiques de cette chaise. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là, je vous mets de travers parce que regardez, là, comme ça, vous voyez pas très bien. Voilà, en vrai, ça va. Donc là, c'est parti. Donc là, attends, là, je vais vous... Voilà, donc là, vous voyez, là, il y a des petits traits. Ça fait tellement beau. Alors là, après, on a des accoudoirs. Attends, je vais m'éloigner un peu. Il y a des accoudoirs qui descendent. Les deux. Voilà. On peut les faire pivoter. C'est trop cool. Après, malade. Après, on peut l'abaisser jusqu'à 190 degrés Celsius. Je plaisante. C'est bon. Ah bon, j'étais un peu en position fœtale. Voilà, donc je sais pas si c'est on peut faire plus. Attends, là j'en rentre. Attends, ça va, c'est dur, hein. Le même le plus fort du monde, il arrive pas, j'en suis sûre. Donc là, vous voyez bien, elle est bien bouchée. C'est tellement confortable. Je vous la conseille, vraiment. Je vais vous dire le prix après. Tac, donc. Oh, elle est un peu trop. Donc après, elle a des coussins. Alors, elle a deux coussins. Donc, on a un coussin ici. Oh, déjà, la chaise, elle meurt déjà, donc ça serait un peu... Donc là, elle a un coussin qui peut se détacher par derrière. Et là, je vous remonte, je vous le montre. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. Là, il y a un autre coussin, là. Là aussi, il peut se détacher derrière, mais c'est très compliqué. Bon, je vais pas le détacher parce que c'est très, très, très compliqué. Donc voilà. C'est méga compliqué. C'est méga compliqué en vrai de le détacher et tout. J'ai galéré pendant 3 h 30. Voilà. Et en plus, mec, elle est super confortable. Elle peut remonter, descendre. Ce que vous voulez. Bon, moi, je suis un peu montée, mais voilà quoi, ça va à ma taille. Je suis content. Voilà. Et baisser, mais un bouton spécial, hein. Si on vous voyez pas, mais un bouton spécial, donc les accoudoirs, et en fait je vous dis le prix dans une seconde. Donc le prix, c'est de 48 euros normal, quoi, et de 68 euros le frais de port. Voilà, c'est bien le dire, hein. Et j'ai trouvé une chaise moins chère, mais et voyez la chaise normale. Et j'ai trouvé un rouge. J'aime pas trop parce que moi je préfère des chaises bien grandes, tu vois, bien hautes. Parce qu'il y a des fois des chaises, genre, tu vois, ils sont. Ma tête, elle dépasse. Et ça me plaît pas. Et là, c'est la chaise qui me dépasse. Mais quand on fait la taille avec moi et la chaise, c'est moi qui la dépasse. Bien sûr, hein. Eh ben oui, hein, je vous montre. Hein. C'est pas un prank, hein. C'est pas un prank. Ouais. Moi, par rapport à la chaise, je suis bien plus grand, mais elle est quand même. Ouais, purée, j'ai bavé. C'est un peu dégueulasse, bon, c'est pas grave. Mais je suis quand même plus grand que. Elle m'arrive au menton. C'est grand quand même. Hein. Elle m'arrive au menton, mais elle est vraiment grande. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'elle est grande, mais. Bon, on dirait pas, mais si vous allez chez moi dans la vie, vous voyez qu'elle est vraie. Elle est vraiment grande. Et. Il y en a qui peuvent. Arriver ici au trou, hein. Il y en a qui peuvent vraiment. Donc là, le coussin, il a ma taille, je suis content. En plus, et il y a au champ, il y a une chaise gamer, et je vous dis, voyez ce coussin là, et ben il est méga dur. Oh, c'est le pire coussin. C'est une chaise gamer Glive, et bon, il n'y a pas de marque, mais quand même, elle est très confortable. Elle ressemble aux distresseurs qu'on voit des fois, mais quand même. Elle est bien, hein.
Vraiment, et je l'ai trouvé sur Cdiscount, donc si vous voulez l'acheter, achetez là. Et les bleus et noirs. Et voilà quoi, y a pas, elle est pas si chère que ça en plus, hein, pour une chaise gamer quand même qui est très jolie, qui ressemble à une DxRacer. Et elle est très très confortable, et tu peux dormir, si tu veux tu peux passer toute la nuit, c'est comme tu veux, bon si tu veux passer la nuit dans ton lit, tu fais comme tu veux, bon, c'est pas moi qui va décider ta vie quand même. Donc n'hésite pas à liker, à vous abonner, et à partager, et à commenter. Et voilà. Et salut !